Eh bien, salut tout le monde, c'est les deux killers de Belgique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur GTA V. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment pouvoir garer plus de véhicules facilement. Donc, déjà, dans le mode histoire, vous avez que 3 garages par personnage et vous pouvez mettre que 4 véhicules. Donc, 4 x 3, ça fait 12 véhicules. Plus les ceux dans votre garage. Donc, attendez. 12, 13, 14, 15. Plus encore 2. Mais ça, je vais vous montrer vite fait. Donc, ça se trouve ici. Précisément. Donc, là où il y a. Allez. Le poste de police. Donc, le garage doit déjà être vide. Déjà dès le début du jeu. Hein, vous pouvez également choisir des véhicules à mettre dedans. Donc, en fait, il vous suffira de prendre un véhicule de votre garage, de le laisser quelque part dans la ville, et donc la dépanneuse viendra la ramener. Donc voilà, moi je vais vous montrer vite fait. Moi, donc, je me suis fait confisquer une Zentorno et une Scandit XL. Donc la Zentorno, donc voilà. Là voilà, donc c'est déjà un véhicule pas mal. Mais alors, je ne pense pas qu'on peut se les faire confisquer, même qu'ils sont... modifié, ça je n'en sais rien, faudrait que je teste. Et donc voilà, je vais vous montrer le deuxième véhicule que je me suis fait confisquer. Donc voilà, c'est un gros 4x4. Et donc voilà, c'est tout pour la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite tuto vous aura aidé si vous voulez garder plus de véhicules dans votre garage. Sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure pour d'autres vidéos. C'est bye tout le monde.